Merci. Dernier après-midi de ce colloque. Une occasion de remercier encore une fois François Xavier Abon, Augustin Lafay, Charles Delors, qui était la cheville ouvrière de tout ça, pour tout la perfection de l'organisation, et de redire ma joie d'être ici, alors que, comme un retraité, j'ai même pas eu à parler cette fois, donc simplement à présider, c'est agréable. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un peu l'antenne au niveau du cercle d'études Jacques et Raïssa Maritain en France, voilà. Et dans la ville de Maritain, ben, toutes les périodes maintenant ont été extrêmement travaillées, mais il y en a une finalement un peu plus compliquée, qui est pour lui une sorte de traversée du désert. C'est après l'ambassade, puisque vous savez qu'il ne revient pas en France, qu'il va aller à Princeton. On est dans ce monde de la guerre froide, et on se demande un peu quelle est la pertinence dans ces années-là, d'humanisme intégral, de sa vision des choses, dans cette période particulière de l'histoire du monde, là, entre son ambassade, disons, et le Concile Vatican II. Et donc, ses disciples eux-mêmes sont dispersés dans plusieurs camps politiques. Ça va du gaullisme de gauche à l'UDSR, etc., voilà, la démocratie chrétienne. Et donc, la trace du maritainisme un peu est plus difficile à suivre dans cette période qui commence avec l'ambassade et qui se prolonge jusqu'à son veuvage et son retour en France en 1960. Et donc, déjà, c'est une bonne occasion d'approfondir cette période-là et la pertinence de sa pensée dans cette période-là à travers les deux communications de cet après-midi, s'interrogeant donc sur humanisme intégral. Alors, on connaît finalement beaucoup mieux les résistances à la pensée de Maritain dans ces années-là. Il en a été question hier et ce matin. Il en sera encore tout à fait en question avec le mauricisme posthume, là, dont nous parlera Florian. Mais s'il y a des résistances, c'est également que le maritainisme, pendant toute cette période, poursuit tout un long travail dans la conscience de l'Église, d'abord, et dans la conscience du monde aussi. Alors, je donne d'abord la parole à mon collègue et ami Yves Brûlé, donc maître de conférence HDR à l'École pratique des hautes études, qui a été très mêlé aux commémorations nationales il y a quelques années, et c'est grâce à lui que le centenaire maritain a pu être marqué dans le calendrier des commémorations nationales. Il y a une vingtaine d'années, il avait travaillé également autour du centenaire de la loi de 1905. Ceci dit, sa spécialité, c'est plutôt les relations internationales. Et il va donc nous parler alors, il m'a dit tout à l'heure que c'était pas lui qui avait mis exactement ce titre, que le titre a été un peu transformé, mais enfin, il va faire lui-même la rectification. L'action internationale, donc, des maritains ambassadeurs, ou la pensée internationale des maritains, à l'époque de l'ambassade. Donc, la parole est à toi, cher Yves. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers collègues. L'ambassade de France près le Saint-Siège ne ressemble à aucun autre poste de la diplomatie française, car le Saint-Siège ne ressemble lui-même à aucune autre institution dans le monde de la diplomatie et des relations internationales. Cette ambassade suit à la fois certains aspects des relations entre l'État et l'Église en France, et une partie aussi de la présence française à Rome. Elle observe à la fois le Vatican comme élément important de la vie italienne, surtout à l'époque dont nous allons parler, mais surtout comme institution internationale. Rome est donc, pour la diplomatie française, un lieu d'observation, d'action et d'influence qui ne peut être comparé à aucun autre. D'ailleurs, Rome ne peut être comparé à aucune autre ville. Tout ça est parfaitement cohérent. Et en plus, nous avons aujourd'hui un ambassadeur qui lui-même ne pourra être comparé à aucun autre ambassadeur. Les philosophes ambassadeurs ne sont pas très nombreux, même si ce n'est pas un problème. L'ambassade de Jacques Maritain auprès du Saint-Siège a fait déjà l'objet de nombreux travaux depuis le texte du Père de la Prosse en 1995 jusqu'à la session de ce colloque qui s'est tenu l'année dernière. Par ailleurs, les réflexions sur le philosophe maritain par rapport aux relations internationales ou par rapport à l'Europe ou même sur la mondialisation ont elles aussi été bien étudiées. Et cette communication est en fait au carrefour de ces deux lignes des études maritainiennes.
celle sur les 3 années d'ambassadeur à Rome et celle sur sa vision des questions internationales. À ce croisement, une question se pose à l'historien de la diplomatie. Comment l'ambassadeur Marita, philosophe, a-t-il été un observateur, un commentateur et un acteur de cette gestation si difficile d'un nouveau système international dans les 3 années si complexes entre le début de l'année 1945 et le milieu de l'année 1948. En somme, il s'agit d'étudier Marita comme philosophe en uniforme d'ambassadeur et confronté donc à ce contexte de l'immédiate après-guerre. Alors, je me suis surtout appuyé sur les sources diplomatiques, en particulier donc celles conservées aux archives du ministère français des Affaires étrangères, mais également j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à la lecture des discours que Maritain a prononcés quand il était ambassadeur et qui ont été publiés en recueil il y a une quarantaine d'années. Donc, ce philosophe ambassadeur est d'abord confronté, ça sera ma première partie, à ce que l'on peut appeler la difficile sortie de la guerre, de ce qu'il a appelé lui-même la plus atroce des guerres. Alors, Maritain prend possession de son ambassade alors que la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore finie, en fait. Il est nommé officiellement le 21 février, c'est-à-dire quelques jours après la conférence de Yalta. Il arrive à Rome le 20 avril, alors que l'Allemagne n'a pas encore capitulé, mais que la conférence de San Francisco va commencer quelques jours plus tard, le 25 avril, et qui va créer l'ONU. Il remet ses lettres de créance au pape le 10 mai, donc au lendemain de la victoire du côté européen, mais comme chacun sait, la guerre se poursuit au Japon jusqu'au mois d'août. Sa mission diplomatique à Rome est fortement marquée, donc c'est la première idée que je voudrais développer, par cette difficile sortie de la guerre, et non seulement, comme on pourrait le penser, au début de sa mission, mais en réalité dans l'intégralité, dans la totalité de ses 3 années d'ambassade, et on va voir comment. Au fond, comment l'Europe et le monde vont-ils sortir de cette guerre incomparable? Dans son discours du 10 mai 1945, son premier discours comme ambassadeur, c'est celui au moment où il remet ses lettres de créance, Maritain dit « La France ne se fait pas d'illusions sur les difficultés. La guerre risque de se continuer sous d'autres formes, d'ordre moral et spirituel, où le nihilisme païen, qui compte follement sur la fécondité du mal, prendra tous les masques afin de semer partout des germes de corruption, de haine et de désintégration morale. » Et quand il parle de tous les masques anciens et nouveaux du nihilisme païen, il pense sans doute, certainement, au communisme athée qui triomphe avec l'URSS dans une grande partie de l'Europe et menace l'autre partie, mais pas seulement. Alors comment sortir de cette guerre, au fond, si l'on n'est pas sorti de toutes les idéologies qui l'ont provoquée et qui l'ont alimentée? Entre 1945 et 1948, cette question de la sortie de la guerre s'est en particulier fixé pour l'ambassadeur Maritain sur la question de l'Allemagne, et d'une certaine manière, non seulement sous l'angle politique ou géostratégique, évidemment, qui est essentiel dans l'après-guerre, mais aussi du point de vue des mentalités, des idéologies, et tout particulièrement de l'état d'esprit, en tout cas tel qu'il l'analyse, de l'état d'esprit du catholicisme allemand. Et il est très frappant de remarquer l'insistance, véritablement, presque l'obstination, avec laquelle, pendant toute son ambassade et jusqu'à la fin, Maritain développe de dépêche en discours, comme dans ses conversations avec le pape ou avec Mgr Montini, la question cruciale pour lui de la repentance allemande. C'est un thème que l'on retrouve très souvent dans ses écrits. Il l'exprime en maintes occasions. Par exemple, dans une dépêche diplomatique du 10 mai 1946, dont le sujet est le Saint-Siège et la responsabilité collective du peuple allemand, parce qu'il y a un intitulé en tête des dépêches, il insiste sur la nécessité, je cite, « d'exiger la reconnaissance de la responsabilité du peuple allemand comme peuple et le désaveu de l'erreur collective dans laquelle il s'est laissé entraîner ». Ou encore, dans son discours des vœux à la communauté française, le 1er janvier 1947, il dit attendre du peuple allemand, je cite, « pour sa propre guérison spirituelle
un acte de repentance, car le relèvement moral du peuple allemand, que désirent tous ceux qui ont le souci de l'avenir de la civilisation, n'est pas possible s'il ne commence par un acte intérieur de la conscience. Alors cette position sans concession, qui ne résulte pas seulement d'une conviction de fond, d'ordre philosophique, s'éclaire, me semble-t-il, à la lecture justement des correspondances diplomatiques de Maritain pendant l'ensemble de son ambassade. En réalité, je pense qu'il s'agit d'une alerte qu'il veut lancer pour la France, mais surtout pour le Vatican, sur la persistance du nationalisme allemand dans l'immédiate après-guerre et, facteur aggravant, sur la persistance de ce nationalisme au sein du catholicisme allemand. Et là aussi, les citations pourraient être très nombreuses, j'en mettrai quelques-unes dans le texte publié, sur, je cite, « le nationalisme regrettable dont fait preuve le clergé allemand qui veut s'exonérer en se présentant d'abord comme victime du nazisme et en minimisant la gravité de la faute commise. » Dans la dépêche du 10 mai 1946, que j'ai déjà citée, il écrit « dans la mesure où l'influence du clergé allemand s'exercerait au profit d'un nouveau nationalisme, elle excuserait les catholiques d'autres pays de descendre sur le même terrain. » En somme, le danger n'est donc pas seulement pour l'Allemagne, il est pour l'ensemble de la catholicité menacée dès l'après-guerre et à cause du clergé allemand par un retour du poison nationaliste. Or, malgré les conversations qu'il a eues avec Montini et Pie XII, Maritain échoue à les alerter sur ce point. Pour le Vatican, l'Allemagne est la dernière barrière à la poussée soviétique. Et selon Maritain, le Vatican préfère éluder le problème de la responsabilité collective des Allemands pour les ménager. Il écrit le 30 décembre 1946, « Pie XII n'aime point charger la mémoire du peuple allemand du souvenir de ses fautes. » Et au fond, il y a tout un passage où Maritain explique que Pie XII ne paraît pas avoir perçu le caractère totalement inédit et incroyable des camps de concentration, des chambres à gaz, et qu'au fond, il a une vision qui paraît un peu décalée avec la réalité du monde du présent. Et ce décalage, dit-il, nuit à la crédibilité du pape. Les déclarations pontificales, écrit Maritain dans cette même dépêche, je cite, « auraient un effet plus profond sur les esprits si le pape avait élevé la voix pendant la guerre pour condamner les outrages à l'humanité commis par les Allemands contre les Juifs et les autres déportés dans les camps d'extermination. » Fin de citation. Alors, ces réflexions mettent en lumière une certaine singularité, je crois, du Maritain parmi les diplomates français. En effet, si le Quai d'Orsay, dans l'immédiate après-guerre, voyait le danger allemand comme supérieur au danger communiste, le renversement se fait très rapidement, en réalité, et il n'en est plus du tout de même depuis, à partir de 1946. Maritain, lui, comme parce qu'il est philosophe et parce qu'il a sa propre histoire et sa propre vision, donc alerte le Vatican et la France sur le danger nationaliste, possiblement contagieux dans d'autres pays, et dans lequel il déplore un certain aveuglement, au fond, de l'Église catholique romaine, qui lui paraît risqué. Alors, qu'en est-il de ces prises de position sur la construction de la paix en 1945-46, et puis jusque dans les débuts de la guerre froide en 1947-48. C'est le deuxième point que je voudrais étudier. À cet égard, Maritain, comme tout le monde, est passé de l'espoir au désenchantement. Dès le printemps 1946, Pie XII parle de la politique internationale, je cite, « avec un certain désenchantement et une réelle amertume. La paix s'éloigne, se dissipe et, pour ainsi dire, s'évanouit. » Et plus encore, avec après le message de Noël de 1946, où le pape voit une humanité, je cite, « stupéfaite de se retrouver 2 ans après la fin des hostilités devant l'abîme qui s'est ouvert entre les espérances conçues au jour de la victoire et les réalisations actuelles. » Et Maritain note la demande que fait Pie XII dans ce discours de Noël 46, devant une paix qui sera une œuvre imparfaite, il demande que les puissances prévoient une procédure de révision des futurs traités,
afin de pouvoir les remanier au fur et à mesure et les amender progressivement. Alors, c'est dans les premiers mois de 1946 que se précise, avec la doctrine Truman et de l'endiguement, qui était formulé en mars 47, pardon, j'ai dit 46, 47, et surtout l'échec, donc ça c'est tout à fait important, l'échec de la conférence de Moscou du 10 mars au 24 avril 47, où les quatre ministres des Affaires étrangères, donc Marshall, Bevin, Bidault et Molotov, en fait ne tombent pas, n'arrivent pas à trouver un accord sur l'avenir institutionnel de l'Allemagne. Et ça, cet échec de la conférence de Moscou est un tournant très important vers la guerre froide. Fin avril, donc 47, il est clair que la construction de la paix est en train d'échouer, parce que la coopération des vainqueurs est déjà rompue. Il est clair aussi que la diplomatie française, et ça c'est un point important pour Maritain, choisit son camp, en fait, au début de l'année 47. Au début, vous savez, il y avait des communistes dans le gouvernement, bon, bientôt il n'y en aura plus. Et au début 46, la France choisit son camp, c'est le camp occidental. Les choses se clarifient, d'une certaine façon, vers la formation de deux blocs. Alors, dans ce contexte, que va faire le Vatican? Dans sa dépêche du 1er mai 47, donc sur, où il parle justement de l'échec de la conférence de Moscou, mais vu de Rome, Maritain souligne, je cite, « la sympathie avec laquelle on suit, dans les milieux du Vatican, la politique du président Truman et la faveur dont bénéficient les initiatives américaines qui forment un solide rempart contre l'expansionnisme russe. Mais on considère aussi qu'un choc politique et peut-être militaire est inévitable à plus ou moins longue échéance. » Donc au fond, on est dans l'après-guerre, mais on est déjà dans un avant-guerre, en fait. On quasiment prépare la prochaine guerre. Et donc, c'est dans un contexte extrêmement dangereux, qui est celui du printemps 1947, que vont paraître, à la fin du mois de juin 1947, une série d'articles sur la situation internationale dans la presse proche du Vatican, notamment sous la signature du directeur de l'Osservatore Romano, le comte Della Torre. Ces articles ont un immense impact, car ils semblent indiquer, je cite, un renversement de la politique du Vatican. En tout cas, c'est comme cela qu'une partie de la presse internationale l'interprète. Et ces articles disent, si je veux les résumer à très grands traits, que devant le pressentiment d'une guerre fatale qui approche, du fait de la rivalité qui oppose deux hémisphères et deux civilisations, eh bien, l'URSS ne constituerait pas un obstacle insurmontable pour sauver la paix, et que cette URSS peut être associée à la vie pacifique de l'Europe. Alors Jacques Maritain rédige aussitôt une dépêche diplomatique datée du 27 juin sur ce sujet brûlant. Ceux qui, dit-il, comptaient sur le Vatican dans le cadre d'une croisade anti-soviétique ont été décontenancés par la position qu'adopte soudain le journal officiel du Saint-Siège. Alors, mais quelle analyse personnelle Maritain en fait-il? Alors, en fait, en lisant ce qu'il écrit, on sent que l'ambassadeur est quelque peu gêné, car à la fois, il s'efforce de relativiser cette inflexion de la politique pontificale, et en même temps de la justifier. Alors, il relativise en disant « il paraît excessif de parler d'un renversement de la politique vaticane ». Le Vatican, au fond, ne fait que prendre, je cite, « une position de neutralité qui lui permet de tenir tous les États sur un pied d'égalité, comme il l'a fait pendant la guerre précédente pour les divers belligérants ». Donc il relativise. Mais il justifie aussitôt l'évolution de la politique du Vatican. « Tout se passe, écrit-il, comme si le Vatican prenait position en face de l'éventualité d'un conflit mondial ». Et dans cette sinistre perspective, si je résume, au fond, il dit « Il faut, pour le Vatican, primo, faire tout ce qui est possible pour empêcher la guerre, ne serait-ce que pour éviter le reproche de ne pas l'avoir fait. Mais, secondo, il faut préparer la neutralité du Saint-Siège si la guerre éclate. » Et condamné à une sorte d'équilibrisme, au fond, le Vatican voudrait prouver qu'il ne se laisse pas entraîner dans une croisade contre le communisme, et en même temps, il rappelle son hostilité fondamentale à l'idéologie communiste. Alors, un entretien qu'il a avec Mgr Montigny confirme Maritain dans son analyse. Donc, le Vatican, écrit-il, distingue le plan spirituel,
Sur ce point, il continue à combattre marxisme et matérialisme. Et le plan de la politique temporelle. Et à cet égard, la priorité est de sauver la paix et donc, je cite, de laisser la porte ouverte aux Russes. Alors, à la même époque, les notes internes que l'on retrouve dans les archives, au milieu des dépêches, les notes internes du Quai d'Orsay, en fait, sont, elles, beaucoup plus tranchées. Ils disent sans embâche que le Vatican, je cite, « prépare sa neutralité dans un prochain conflit, car on sait à Rome que, de toute façon, l'URSS envahirait la totalité de l'Europe dans la première phase du conflit. » À ce sujet, on s'interroge aussi au Quai d'Orsay sur le sort du pape, si cela se produit, en cas d'invasion de l'Italie par le bloc de l'Est. Si les États-Unis offrent une garantie et une protection au pape, celui-ci acceptera-t-il ? Maritain répond que Pie XII refusera certainement, d'abord parce qu'il ne se résoudra jamais à quitter Rome, mais surtout pour ne pas s'inféoder au camp américain. Position, c'est ce qu'il prévoit. En réalité, ça n'empêche pas qu'ensuite, dans les documents suivants, il y a une espèce de dissertation en disant, voilà, bon, si le pape doit rester à Rome, il pourrait peut-être quand même envoyer la curie en Amérique latine, par exemple, et on se demande si ça serait mieux qu'il soit au Brésil ou en Argentine. Et on dit, bon, finalement, le Brésil, c'est mieux, parce que le régime argentin, on n'en est pas tout à fait sûr, donc le Brésil, ce serait une bonne idée. Donc voilà, en gros, de quoi sur quoi on échange au printemps et à l'été 1947. Une autre note interne au gouvernement français, qui est datée du 26 août 1947, une note de renseignement, présente Maritain comme, je cite, un partisan de cette politique de temporisation envers le communisme. Alors, est-ce que c'est vrai ou non ? Question difficile. C'est de fait que, quand on lit sa correspondance, non seulement Maritain ne critique pas cette politique du Vatican, mais il prend beaucoup de soin pour essayer de l'expliquer au gouvernement français. La position de Maritain, qui ne se laisse que difficilement deviner, hein, dans une correspondance diplomatique qui est assez prudente, semble, me semble-t-il, quand même se rapprocher de la position de certains de ses amis diplomates de cette époque, en particulier Jean Laloy ou le jeune Jean-Marie Soutou. Ces diplomates sont sans illusion, hein, sur une convergence possible avec le soviétisme. Pour autant, il relativise la confrontation stratégique qui s'opère, il la relativise dans le long terme, car il existe, selon eux, entre l'Est et l'Ouest, malgré tout, une forme d'unité de valeur fondamentale. Et c'est ça qui comptera sur le long terme. Alors toutefois, comme cela a déjà été remarqué, Maritain est peu prolixe, en fait, à cette époque, sur la construction de l'Europe. Alors c'est un peu tôt aussi, hein, par rapport à cela. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il voit les enjeux davantage au niveau mondial qu'au niveau européen. C'est une hypothèse que je pose. Alors, il y invitait explicitement ses auditeurs lors de la cérémonie des vœux à l'ambassade le 1er janvier 1947, et je cite, « Pour nous qui avons été accoutumés depuis si longtemps à penser en termes exclusivement nationaux, il nous faut désormais secouer notre provincialisme et penser tous les problèmes et nos propres problèmes en termes mondiaux, à l'échelle mondiale. » Alors, au début de sa mission, Maritain pouvait dire encore que les incertitudes et les secousses auxquelles nous assistons sont normales et que si elles ne durent que quelques années encore, nous pourrons trouver que les choses ont bien marché. Évidemment, assez vite, il a dû se rendre à l'évidence. Dans le contexte de la guerre froide, il faudra se contenter de chercher ce que l'on peut malgré tout construire dans le monde en faveur de la coopération internationale. Et c'est ce que je vais dire très rapidement dans ma troisième partie. Alors, ce sont des choses qui sont relativement mieux connues, si vous voulez. On sait que Maritain a joué un rôle, notamment au début de l'histoire de l'UNESCO, puisque, donc, à la fin de l'année 1947, il est désigné comme chef de la délégation française à la seconde conférence mondiale de l'UNESCO, et qu'il y prononce, qui se passe à Mexico, et qu'il y prononce un discours très important. En effet, il y a au début de l'histoire de l'UNESCO une sorte de débat interne sur l'esprit de cette institution des Nations Unies. D'un côté, ceux qui pensent qu'il faut, pour que l'UNESCO fonctionne, que les différents membres, les États membres, s'entendent sur une base philosophique commune, et d'autres qui pensent que le monde est tellement divisé qu'au fond, si on cherche une base philosophique commune, on ne la trouvera pas, et que du coup, l'UNESCO sera condamnée à l'impuissance et à l'échec. Et en fait, Maritain prend position dans ce débat et pour cette deuxième option. Et son discours
explique justement que l'UNESCO ne doit pas chercher à établir une sorte de philosophie commune au monde, parce qu'on n'y arrivera pas. En revanche, doit se concentrer sur des principes d'action, au fond, hein, une finalité pratique. Hein, je cite, « L'accord des esprits peut se faire spontanément, non pas sur une commune pensée spéculative, mais sur une commune pensée pratique. » Donc cet événement se déroule pendant qu'il est encore ambassadeur auprès du Saint-Siège, donc ça fait partie du sujet, et je crois que c'était intéressant de le rappeler. De la même manière, en 1948, il participe à une consultation de philosophes au moment de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et donc il se réjouit de cette perspective, disons, de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, au fond, dans ce que l'on peut malgré tout construire dans cet après-guerre où tout est difficile au point de vue mondial, Jacques Maritain, on peut dire, est intéressé par les Nations Unies en tant qu'objet, si vous voulez, en tant que réalité, du moment que l'ONU crée justement l'UNESCO ou rédige une déclaration universelle des droits de l'homme. En revanche, j'ai trouvé chez lui, dans ses dépêches diplomatiques ou dans ses discours, une forme de scepticisme à l'égard des organisations diplomatiques, même multilatérales et mondiales. Par exemple, dans son discours du 14 juillet 1945 à l'ambassade, il avait dit « Dans les années qui viennent, les peuples vont se dédier à une grande œuvre, entre toutes, celle de l'édification d'une structure internationale capable d'assurer vraiment la paix. Les problèmes d'organisation et de technique internationale tiendront la première place. Mais, à cet égard même, il y a quelque chose de plus profond qui concerne la conscience commune. » Donc il oppose, au fond, la technique diplomatique et puis des problèmes de conscience et de pensée qui sont évidemment les plus importants. Et ensuite, il insiste, les principes intellectuels, les exigences morales, l'esprit importent plus encore que les structures techniques et juridiques. Et dans son discours à Mexico pour l'UNESCO, dont j'ai parlé, il dit, les arrangements conclus par les diplomates, dont il est, et les hommes d'État, cela ne dépendra pas seulement de l'édification juridique d'un organisme coordinateur, mais de l'adhésion profonde dans la conscience des hommes. Donc pourquoi ce malaise, au fond, à l'égard du rôle des diplomates, une sorte de presque de condescendance à l'égard de ce qu'il appelle les structures techniques et juridiques? Eh bien, au fond, je crois que c'est assez simple. C'est parce que ces structures telles que l'ONU émanent de la souveraineté des États. Ce sont les États qui en sont membres. Et parce que les diplomates agissent au nom de ces mêmes États souverains. Or, sa vision du monde est qu'il faut justement dépasser le principe de la souveraineté étatique comme seule base des relations internationales. Et pour Maritain, si l'ONU peut sans doute être utile, elle n'est pas la solution à long terme. Alors il revient ensuite très longuement sur cette question en 1949, donc là on est hors de ma chronologie, mais surtout c'est très connu, dans les fameuses conférences de Chicago, et la dernière d'entre elles, donc le recueil L'homme et l'État, et la dernière d'entre elles concerne les relations internationales, et donc il développe cette pensée pour dépasser au fond cette question de la souveraineté absolue des États et de construire une société politique internationale donc qui serait fondée sur des principes tout à fait différents. Alors que propose-t-il en réalité? Donc c'est un développement qui est très, alors à la fois extrêmement lucide sur la difficulté de réaliser les choses, mais extrêmement visionnaire sur quelque chose qui serait à très long terme. Et il propose notamment, par exemple, que l'on pourrait peut-être quand même dans le monde avoir une sorte de conseil consultatif supranational composé de sages hein, qui seraient élus, et une fois élus, eh bien, ces sages obtiendraient une citoyenneté mondiale, qui ne seraient plus des citoyennetés nationales, ils seraient des citoyens mondiaux. Et au fond, ce serait déjà bien si on pouvait faire cela, ce serait comme une sorte de pierre d'attente qui fortifierait la conscience des peuples. Ceci dit, il ajoute aussitôt après que c'est une perspective pour les générations à venir. Il n'a pas précisé le nombre de générations. Et nous serions bien en peine, je pense, de proposer un chiffre encore aujourd'hui. Alors, on peut regretter, ça c'est l'historien de la diplomatie qui parle, on peut regretter que Maritain n'ait pas proposé malgré tout une forme de réflexion philosophique sur la diplomatie elle-même, sur les problèmes que pose la négociation, voilà, les qualités requises pour la diplomatie, etc. On n'a pas, en tout cas, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais... Et c'est dommage qu'au fond, son expérience n'ait pas abouti à cette réflexion de fond. Et d'une certaine manière, il est assez paradoxal de constater que, après une ambassade qui a quand même duré
plus de 3 années auprès du Saint-Siège. Maritain, réfléchissant au système international qui lui paraîtrait le meilleur, n'intègre à sa vision du système international ni l'avenir de la diplomatie, et au fond, il y a cette forme de condescendance vis-à-vis des diplomates, ni même le Saint-Siège, en fait, qui est pourtant une institution mondiale. En revanche, il est convaincu de l'importance des sages, et donc des philosophes, dans cette future société politique mondiale. Au fond, si Maritain a su endosser l'uniforme d'ambassadeur, il n'a jamais cessé d'exercer la fonction en philosophe, et c'est sûrement pas nous qui allons lui en faire le reproche. En conclusion, comment l'ambassadeur philosophe Maritain a-t-il perçu le système international de l'immédiate après-guerre ? Dans l'un de ses discours d'ambassadeur, juste après la guerre, il désigne les deux guerres mondiales, donc de 1914 à 1945, si on veut, comme une nouvelle guerre de 30 ans. Ça fait 31 ans, mais enfin. Or, la guerre de 30 ans, comme tout le monde sait, de 1618 à 1648, s'est achevée par un changement fondamental de système international. Et les traités de Westphalie, en 1648, sont, je crois on peut le dire, l'acte de décès de la chrétienté et l'acte de naissance, à sa place, d'un système qu'on appelle aujourd'hui le système westphalien, système désacralisé, privé d'une autorité unitaire, dans lequel seuls les États souverains autonomes, sont les acteurs de la vie internationale sur la base d'une égalité juridique entre eux. Avec le congrès de Westphalie, la notion d'Europe, qui se développe et apparaît beaucoup plus fréquemment à cette époque-là, s'impose à la place de celle de chrétienté. La nouvelle guerre de 30 ans, celle du XXe siècle, avec les deux guerres mondiales, va-t-elle donner naissance, comme la première, à un nouveau système international radicalement différent, qui remplacerait le système westphalien par un autre système, qui serait peut-être, par exemple, appelons-le la nouvelle chrétienté. Maritain ne le dit pas, mais en regardant de près le vocabulaire qu'il utilise dans ses premiers discours en 1945 comme ambassadeur, on note des expressions tout de même intéressantes. 10 mai 1945, il parle du travail de reconstruction de la communauté civilisée, la reconstruction de l'univers civilisé. Cette civilisation vraiment humaine et vraiment universelle de cette chrétienté pour l'appeler de son nom chrétien. Discours du 14 juillet 1945. Il parle des intérêts universels de la société civilisée, la justice et la fraternité dans la communauté civilisée. Et cette grande communauté universelle des peuples et de la civilisation, de cette société ouverte, comme disait Bergson, dont le nom le plus vrai est celui de chrétienté. Discours du 11 novembre 1945, il parle de la paix dans la communauté civilisée. Donc vous voyez, il y a tout un vocabulaire là qui est très très net dans ses premiers discours en 1945. Sauf qu'après, en fait, on ne les trouve plus tellement. Voilà. Et ils disparaissent, ces expressions de ce genre disparaissent dans les années suivantes. Alors, quel contraste entre ces formules que je viens de citer avec cette phrase du discours de Mexico en 1947, « Jamais les esprits n'ont été si profondément, si cruellement divisés, il n'y a plus de base commune. » Donc en 2 ans, l'espoir d'une structure internationale capable d'assurer vraiment la paix a fait place au désenchantement devant la profonde division du monde pour laquelle l'ambassadeur philosophe conçoit une vision utopique, en tout cas à très long terme. Alors faut-il en conclure que nous serions passés de la nouvelle chrétienté, qui n'arrive pas à se construire finalement après 45, à... J'oserais une nouvelle formule, une future chrétienté, dont on aurait l'expression un peu dans l'homme et l'État et la dernière conférence. Alors Maritain n'emploie pas du tout cette formule, c'est moi qui l'invente là, pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est une question que je pose au fond, hein, pour lancer le débat. Quoi qu'il en soit, 80 ans plus tard, le système westphalien est toujours formé d'États qui affirment leur souveraineté absolue. Le multilatéralisme est affaibli. On parle de monde libre et de monde totalitaire, de guerre froide nouvelle et même de guerre mondiale. Et il y a plus que jamais nécessité, comme l'avait fait Maritain, de défendre la valeur de la personne humaine dans un monde qui tend plus que jamais à la nier. Je vous remercie.
Merci à toi. Alors, jusqu'à présent, on fonctionnait les deux interventions l'une après l'autre, là. Mais je pense que là, c'est intéressant de rester près de la chronologie. Donc là, tu as beaucoup travaillé sur la période de l'ambassade elle-même, donc 45-48. Je vous rappelle que Maritain est l'ambassadeur d'un gouvernement tripartite jusqu'en printemps 47. Il y a encore des communistes au gouvernement et le tripartisme disparaît en cours de route. Et après, on va retrouver Florian plus dans les années 50. Je pense que ça serait intéressant de séparer les questions. Et donc, si vous avez des questions sur ce moment-là, de l'immédiate avant-guerre et des déceptions que tu viens de nous rappeler ou de nous décrire, c'est mieux de les centrer à ce moment-là. Voilà. Donc, la parole est à la salle. Alors, la guerre de 30 ans, la formule, on la trouve déjà chez De Gaulle, mais hélas, elle vient d'abord de Henri Massy, qui fait un bouquin en 39, la guerre de 30 ans. Donc, ça me chagrine un peu que Maritain ait repris la formule de Massy. Au départ, De Gaulle en 40 est sur cette formule-là. Bon. Et puis, c'est ensuite que dans la guerre elle-même, à partir de 41, le discours d'Oxford, il dépasse cette perception maurrassienne, on va dire. La guerre de 30 ans, c'est une perception maurrassienne pour parler de conflits de civilisation qui durent donc à la libération. Hein, voilà. Des questions dans la salle? Monsieur Vian, oui. Des compléments? Nella corrispondenza di Bourget che entra con Maritain, mi ha colpito il fatto che quando lui parla della sua partenza da Roma, cioè della partenza di Maritain, come un figlio. E poi lui non abbia un ricordo proprio di esteriore. La mia domanda è questa: si può considerare la missione diplomatica di Maritain come un fallimento? E in secondo luogo, come ha vissuto Maritain la sua missione diplomatica, cioè il bilancio mancato? Juste la dernière phrase que j'ai pas compris. La dernière phrase. Est-ce que c'est qu'on peut considérer comme un échec? Ah oui, d'accord. Quel bilan en a-t-il tiré? Ah oui. Alors, moi je ne dirais pas que c'est un échec, et même d'en parler comme une fugue me paraît un peu étrange. Bon, je ne suis pas spécialiste de la vie de Maritain, mais après tout. Nommer un philosophe ambassadeur auprès du Saint-Siège dans ce contexte-là me paraît finalement avoir une forme de logique. En tout cas, c'est pas du tout absurde. Et qu'il a accepté me paraît pas du tout absurde non plus. Et et je dirais pas non plus que c'est un échec parce que cette expérience a forcément forgé quelque part sa vision du monde. Donc cela apprend. J'ai dit que je regrettais qu'il n'ait pas théorisé ou qu'il n'ait pas philosophé sur la fonction diplomatique. Mais au fond, tout ce qui vient ensuite vient en partie de son expérience d'avoir vécu de l'intérieur, dans la connaissance des faits, mieux que de l'extérieur, l'évolution du monde. Donc ça, je pense que c'est certainement pas un échec. Alors, et la deuxième partie de la question, c'était... Oui, alors... Là, il faudrait demander plutôt aux personnes qui connaissent tout ce qu'a écrit Maritain, ce qui n'est pas mon cas. Mais à la fin, il écrit une note de bilan, enfin oui, une sorte de conclusion, qu'il envoie au ministre des Affaires étrangères français, Georges Bidault. Alors, je l'ai lu, je ne saurais pas vous dire... Impression romaine. On avait publié ça dans les cahiers il y a longtemps. Pardon. On avait, oui, il y a 4 ou 5 pages d'impression qui sont très affûtées, mais qui concernent plus un jugement sur le Vatican et la manière de fonctionner du Vatican et comment le Vatican positionne sa politique. Voilà. Oui, et donc c'est pas un bilan. Mais en fait, en travaillant sur ce sujet que j'ai un peu découvert, je veux dire, mais c'est Florian Michel qui m'a convaincu à venir dans ce colloque, j'en suis très heureux. Donc je suis le candide du colloque, en fait. C'est celui qui a un regard neuf et extérieur. Et en fait, je me dis qu'au fond, c'est dommage qu'il ne soit pas resté plus longtemps.
parce qu'on aurait eu 2 années de plus de correspondance diplomatique, d'intervention, on aurait eu vraiment la guerre froide complètement engagée, on aurait eu les premiers signes de la construction européenne, parce qu'il y a aussi ça, la question, je dirais, il voit les choses d'un point de vue mondial, c'est trop tôt par rapport à la construction européenne, et j'avoue que cette articulation, alors on trouve des petits passages où il dit, voilà, l'Europe commence à se réunir, bon, mais finalement c'est un peu inachevé au fond, et donc je dirais pas que c'est une fugue, ou alors une fugue à la BAC très très longue qui dure très longtemps, et finalement voilà, elle s'interrompt alors qu'on aurait aimé qu'elle puisse continuer, allez disons 2 ans de plus, quoi. Bon, regret d'historien. Alors, Laure là-bas, ouais. C'est terrible, J'ai une question qui se situe un peu dans le rapport de cette édition mondiale. Est-ce que les sous-ressauts des anticoloniaux, est-ce que c'est une thématique qui va être assurée? Oui. Alors, très bonne question, j'avoue qu'il faudrait creuser davantage. En réalité, il y a une difficulté d'archives, enfin, aux archives diplomatiques, les correspondances sont classées à cette époque-là par thème, et donc il y a des cartons où il y a toutes les dépêches d'ordre politique général, au fond. Et ce sont ceux-là que j'ai particulièrement exploités dans le cadre d'un colloque, si j'avais 30 ans de moins, je ferais une thèse là-dessus, mais dans le cadre d'un colloque, je ne pouvais pas faire plus. Or, ces questions-là, elles sont certainement quelque part. Voilà. Et il faudrait creuser et les voir dans d'autres classements. Mais là, il y avait surtout les questions allemandes, bien sûr, les questions de rapport avec les États-Unis, etc. Mais certainement, mais je pense que tu peux rajouter quelque chose. Oui, sans avoir vu les dossiers dont tu parles, mais on trouve des choses dans la correspondance avec Jean Marx, qui est son ami des relations culturelles. Et alors, ce qui occupe beaucoup Maritain à l'époque, c'est la question des mandats de Liban et de Syrie, et notamment de toute la politique de nomination ecclésiastique là-dedans. Et alors, une impression, mais à partir uniquement de petits détails qui apparaissaient dans la correspondance, c'est qu'il était un peu gêné là-dedans, parce que son positionnement était plus proche de celui du Vatican, on va dire, poussant à la décolonisation. Bon, et naturellement, c'est un peu contradictoire avec ses missions officielles, voilà. Mais ça serait à vérifier en plongeant dans tous ces dossiers. Voilà. Hein ? Oui, tu comprends. Avec, prends le micro. Un peu par hasard, je suis tombé il y a quelques temps dans un numéro de la vie intellectuelle de 1945. Mm-hmm. Après la nomination de Maritain en ambassade de France, un article de Gilson. Gilson qui éprouve le besoin de justifier la nomination de Maritain, de faire une sorte d'apologétique de la nomination de Maritain. Est-ce que du côté des diplomates eux-mêmes, et du monde politique français, les réactions ont été unanimes ou est-ce qu'il y a eu des résistances, des critiques, comme semble l'indiquer Gilson, hein, à cette nomination de Maritain ? Est-ce qu'il n'était pas un personnage trop marqué du point de vue de sa confession de foi, du point de vue de son orientation politique ? Est-ce que ça a été bien accepté par les diplomates et par le monde politique ? Bon. Encore une fois, excellente question à laquelle je ne sais pas répondre. En fait, il faudrait regarder beaucoup d'autres sources que je ne maîtrise pas, mais peut-être que vous avez une idée. D'autres personnes dans la salle, franchement, je ne sais pas. Je pense que celui qui est mieux placé pour parler, ce sera Philippe, il en dira un mot dans ses conclusions. Alors, dans les milieux diplomatiques, il y a beaucoup de jalousie quand même, parce qu'il obtient comme ça un des postes les plus prestigieux de la carrière. Et d'autre part, l'ambassadeur de Vichy est encore là dans un placard, là. Donc, Bérard et d'autre part, Maritain a refusé d'aider tous les Français qui transitaient par Rome pour fuir les jugements de la libération. Et donc, qui avait des appuis dans le vieux système d'ambassade. Et donc, il y a toute une série de rancœurs et de ressentiments qui apparaissent dans un certain nombre de mémoires publiques de l'époque, Kérinis, par exemple, même des mémoires très, très tardives par la suite. Je me rappelle de celle de Pierre de Boisdef, je ne sais pas si tu vois, c'est un critique littéraire, très milieu, en France diplomatique. Là. Bon.
Il a plein de rosseries sur Maritain ambassadeur. Enfin, il n'avait toujours pas digéré 40 ans après que Maritain ait été ambassadeur. Donc, oui, il y a eu bien sûr des rancœurs du fait que, bon, visant Maritain, visant aussi De Gaulle, tout simplement, et c'est pas la seule nomination diplomatique bizarre du point de vue des traditions de la maison. Et donc, on reproche aussi à De Gaulle, comment s'appelait celui qui avait mis en URSS c'était Catroux qui est ambassadeur quelque temps en URSS. Donc, l'ensemble des nominations de De Gaulle étaient examinées de très près et critiquées. Voilà. Et d'autre part, l'accueil de la Rome ecclésiastique n'était pas très enthousiaste non plus à ce que ça soit Maritain, parce qu'on le trouvait trop engagé dans les questions d'église, un peu trop s'entendre déjà le fagot, on pourrait dire. Non, voilà. D'autres questions avant de... Alors l'importance, moi ça m'a frappé, parce que je ne m'y attendais pas tellement, mais c'est un sujet qui revient très souvent en fait. Il y a de nombreux documents, et des fois, même après, ça ressort, souvent dans un discours, il y a tout un paragraphe, et il revient là-dessus alors que ce n'est pas vraiment le sujet, donc c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Après, ses moyens d'action ne sont que ceux-là, c'est-à-dire d'en parler, d'écrire, de discuter avec le pape ou avec Montigny pour dire que c'est important, mais il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et il alerte... Et par exemple, à un moment, il prend position sur un prélat américain dont le nom m'échappe, qui a été le représentant du Saint-Siège. C'était un Américain d'origine allemande qui avait été choisi pour aller justement faire le lien avec les troupes d'occupation de la Allemagne de l'Ouest, Munch, voilà. Et Maritain fait toute une dépêche très à charge contre ce personnage. Qui se laisse influencer justement par le clergé allemand, qui adopte toutes les positions du clergé allemand, et il dit au fond, il fait partie de ces Américains qui ne comprennent pas l'Europe, et qui ne veulent pas voir les choses, ils voient l'Allemagne qui a été bombardée, détruite avec toute la misère qu'il y a, mais qui ne veulent pas voir que derrière cela, et bien c'est le retour du nationalisme qui s'opère. Donc voilà, il prend position comme il peut finalement, il ne peut pas beaucoup faire plus. Voilà. Je trouve que déjà, c'est un sujet récurrent et... un peu inattendu. Bien. Alors Philippe, dans son livre sur le maritainisme et le montignanisme, si je m'en rappelle bien, tu avais publié une lettre de Maritain, un rapport de Maritain à Montigny sur la responsabilité collective du peuple allemand. C'est ça, c'est dans ton livre qu'on trouve ça, je ne me rappelle plus. Mais alors, c'est dans quel livre qu'on trouve ça? Ben, ça a été publié. Donc, ouais. Je sais pas. Enfin, en tout cas, je sais, chez moi, dans mes archives, j'ai une longue note à Montigny sur la responsabilité collective du peuple allemand, mais il n'avait pas réussi à convaincre le Vatican d'endosser la question. Bon, on va arrêter les questions là sur ce texte-là, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Et donc, je vais donner la parole à Florian Michel, mon collègue, ami Florian Michel, vice-président du Cercle d'études Jacques R.S. Samaritain. Et vous connaissez ses très nombreux travaux sur Maritain et le thomisme plus généralement en Amérique du Nord. Il a fait quelques trahisons. Il est un peu passé souvent vers Étienne Gilson et l'œuvre d'Étienne Gilson avec la coédition des œuvres complètes de Gilson, spécialiste également de l'histoire de la liturgie et des traditions de la liturgie après le Concile. Son dernier ouvrage en collaboration, À la droite du Père, les catholiques de France, bien sûr, et les droites depuis 1945.
Et au carrefour de tout ça, il va nous parler de la toute dernière attaque de Charles Maurras contre Maritain, dans un livre posthume de 1953. Le maurrassisme n'a pas disparu, il reste vivace, ou vivant en tout cas en France, et donc il n'est pas inutile de revenir sur les ultima verba de Maurras sur Maritain. Florian, à toi. Alors, merci Augustin. C'est bon. Alors, Michel m'a fourni la transition sur la trahison et la collaboration, vous avez compris. Et donc, ce sera le thème essentiel de mon sujet. Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, mon intervention portera donc sur un point un peu difficile et que l'on pourrait désigner sous le nom de la dernière attaque de Maurras contre... Ça marche ? Vous m'entendez ? Sur la dernière attaque de Maurras contre Maritain, avec la publication en 1953 de ce volume, Le bienheureux Pidis, sauveur de la France, à la librairie Plon. La singularité et l'intérêt de cette affaire sont à mon sens triples. Il s'agit d'une attaque posthume. Maurras s'éteint en novembre 1952. L'ouvrage Le bienheureux Pidis, qui contient donc un appendice contre Maritain qu'en principe vous avez entre vos mains, et publié en janvier 1953, donc quelques mois après son décès. Il est présenté comme le testament de Maurras par Maurras lui-même. L'ouvrage, il faut bien le dire, est de l'ordre de la malédiction, de l'ordre de la haine transmise en héritage. Ce sont les ultima verba de Maurras au sujet de Maritain, ces derniers mots que vous pouvez donc lire à loisir. Cette attaque posthume, deuxièmement, agrège, condense, manifeste la détestation de Maurras et du milieu maurrassien contre Maritain lui-même, en fait depuis la condamnation pontificale de 1926. Dans ce volume, Maurras y ressasse en fait un quart de siècle de haine recuite, de reproches violents ou d'attaques plus ou moins perlées, publiées notamment dans le journal d'Action française pendant les années 1942-44 et perpétuées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par Jean Madiran, Henri Massy et quelques disciples bien choisis. En un sens donc, il n'y a rien de nouveau dans ce volume, sauf la nouvelle vigueur, sauf la nouvelle publicité de cette haine et de sa réactualisation vigoureuse à l'occasion de la béatification de Pidis, qui est en fait un moment de résurgence de l'intégrisme et de l'Action française et d'une tentative de réappropriation de la figure de Pidis par le milieu maurrassien. Maritain découvre troisièmement, selon sa formule, qui sert de titre à ma conférence, ce jet de purulence sorti des fermentations du tombeau avec des mois de retard. Il le découvre à la fin de l'année 1953, on a un peu d'incertitude sur cette date, mais Maritain, au sens propre, en fit en mars 1954 une crise cardiaque, et au sens figuré, il explique qu'il est touché en plein cœur, au plus intime de lui-même, parce qu'à travers les attaques de Maurras, c'est Raïssa qui est en fait prise à partie. Examiner donc le volume de Maurras permet de ressaisir une page importante de bataille entre les deux hommes et en fait au-delà entre deux parties au sein même de l'Église, entre deux tentations, si je puis dire, catholiques, celle de la démocratie chrétienne versus celle du parti de l'ordre autoproclamé, celle d'un catholicisme universel versus celle d'un catholicisme enclos dans une certaine idée relativement étroite de l'orthodoxie et de la romanité, et en l'espèce également dans une forme d'acrimonie qui lui semble devenue un trait de définition. La question de fond qui se pose à mon sens est bien celle de la romanité. Et c'est pour ça que je tenais à traiter cette question ici même à Rome. Maurras voudrait construire une représentation romaine de son parti. Maurras, le beau défenseur de la foi. Maurras, le beau défenseur des papes. Maurras, justifié par Pidis contre Maritain, à qui Maurras reproche précisément de n'être pas suffisamment roman. Maritain, pour Maurras, est juif, protestant, libéral, américain, anti-romain. La thèse
n'était sa, la violence de l'attaque peut prêter à sourire, bien sûr, puisque c'est Maurras qui est condamné par Rome en 1926, c'est Maritain qui est mandaté par Rome pour justifier la condamnation, c'est Maritain qui est accrédité à Rome en 1945, mais pourtant tel est bien le paradoxe qu'il faut tenter de souligner et de comprendre. Pour les archives, c'est pour moi un nouveau chantier de recherche, évidemment, qui s'inscrit un petit peu dans le prolongement de quelques anciens, et je tiens à signaler que j'ai eu accès aux archives Maurras, aux archives nationales, aux archives Massy, Henri Massy, à la Bibliothèque nationale de France, aux archives Maritain, bien sûr, à la BNUS, à Strasbourg, et vraiment merci à tous les conservateurs qui aident les historiens, mais hélas, je n'ai pas eu accès aux archives du Saint-Office, où le dossier est à ce jour introuvable. L'inventaire existe, il est disponible, mais le dossier est probablement à l'examen dans quelques bureaux, et le fait est que j'avais pensé un peu mon intervention avec ce dossier, en espérant pouvoir consulter ce dossier, et que mon espérance a été un peu déçue. Voilà, mais il n'est pas impossible qu'il ressurgisse et qu'il soit retrouvé. Mon intervention se déploiera autour de trois points. Un premier point sur le volume de Maurras, disons son contexte, son sens, et plus précisément les attaques de Maurras contre Maritain. Un deuxième temps sur lequel je serai très rapide, j'évoquerai la polémique publique qui s'ensuit et qui, pour l'essentiel, épargne en fait Maritain. Et dans un dernier temps, que je développerai, j'espère, un peu plus, donc j'examinerai la réponse de Maritain, qui est averti, blessé à vie, vous l'imaginez, et qui cherche à répondre donc à cette attaque. Maurras commence en fait à envisager la rédaction de ce volume, donc c'est un volume d'à peu près 250 pages, à partir de l'automne 1946. Il est alors en prison, à Rion, avec Maurice Pugeot, et de fait, il est donc en prison pour trahison et collaboration avec l'ennemi. Il apprend au fond de sa cellule la prochaine béatification de Pidis, qui commence en fait à être annoncé dans la presse à partir du printemps 1946, et il y voit du fond de sa cellule un rayon de lumière. C'est pour lui, en quelque sorte, la justification de tous ses combats. L'écriture, concrètement, va s'étaler sur pas loin de 6 ans, entre 1946, 51, 52. Je reviendrai sur ces éléments parce que c'est de la chronologie de l'écriture, c'est vraiment intéressant. Peu de temps avant la mort, évidemment, on aurait pu espérer une confession de foi, on aurait pu espérer une repentance de Maurras, s'il n'en est rien. C'est un testament politique où il raconte à sa manière, de son point de vue, les événements qui se sont produits depuis le début du siècle. Alors, je ne vous lis pas tout, mais juste pour vous donner un petit peu la tonalité. En ces grises journées de 1946 à Rion, qui se distinguent à peine l'une de l'autre, voici qu'une nouvelle de Rome nous a pris au cœur. La béatification de Pidis ne fait plus de doute, dans 10 mois ou dans 10 ans, elle sera. Tous les obstacles tombent, y compris l'argument majeur tiré de l'incontestable protection accordée au mauvais démon de l'action française en 1914. L'avocat du diable a fini par y renoncer, quelque chose l'emporte, la persuasion d'une grâce, le rayon d'une certitude que la voix populaire elle-même soutient. Il traduit un échange avec son codétenu Maurice Pugeot, et page suivante. « Mon témoignage est tout concret, ce sont les faits réels et vivants de l'histoire que j'analyse et compare ensuite. Nulle place n'y est offerte ni laissée à des abstractions doctrinales. Voilà ce que j'ai vu, entendu, et voilà ce que j'en ai à dire. » Et s'ensuit donc les 250 pages sur d'un plaidoyer pro domo. Sans surprise, les cibles de Charles Maurras dans son volume sont le Sillon, Pionce, bien sûr, les démocrates chrétiens, il retrace ses combats, la justice de sa cause, il rappelle toutes les pages ou presque le soutien de Pie X, les miséricordes de Pie XII, etc., etc. Et ce qui est vraiment important à mon sens pour le contexte d'écriture, c'est, bon, j'ai déjà souligné quelques éléments, la condamnation et l'humiliation, la béatification de Pie X. Mais un autre élément important du contexte d'écriture de ce volume, c'est la publication en 1951, par Henri Massy, d'un volume qui s'intitule « Maurras et notre temps », qui, pour ce qui concerne l'appendice contre Jacques Maritain, va servir de détonateur à l'écriture de Maurras. Du point de vue de la chronologie, je voulais préciser quelques éléments, c'est important, vous allez voir, pour attribuer in fine quelques responsabilités à certains individus.
En juin 1951, le Maurras écrit à Xavier Vallat, le PIDIS est venu lentement et il est à peu près fini. Ah, j'ai laissé passer l'actualité, j'y ai mêlé des choses énormes, il n'est plus temps de ne rien garder secret. En juin 1951, donc à peine 3 semaines après la première lettre, il écrit à sa nièce, donc on est là dans les lettres de prison, qu'il a bien reçu le volume de Massy, et je cite, à propos de Massy, dis-lui que son Maurras m'a été rendu ce matin et que je l'ai déjà fini, avec quelle joie très reconnaissante, etc., etc. Dans les archives d'Henri Massy, c'est Massy qui corrige en fait la publication des lettres de prison de Maurras. Il y a cette petite incise qui a été supprimée au moment de l'édition. Je ne croyais pas le couple maritain aussi laid. Et en fait, c'est la publication du texte de Massy qui va en quelque sorte réactiver la détestation de Maurras pour Maritain. Massy, en fait, avait lu Les Grandes Amitiés. Massy est un petit peu, disons, piqué par cette lecture, et Massy va vouloir répondre à Raissa Maritain, et c'est cette réponse de Massy qui va relancer la haine de Maurras. De cela, j'en veux essentiellement pour preuve cette lettre de Charles Maurras à Henri Massy, donc le même mois de juin 1951. Le Maurras va faire la liste d'un certain nombre de corrections, de suggestions, donc voilà, je prends juste les premières. Merci du tiroir de PIDIS, c'est la pure vérité, ce serait le tiroir où PIDIS avait rangé la condamnation de l'Action française. Merci des 3 positions de Maritain, page 170, un petit peu plus bas, au sujet de la page 210, Maurras écrit « C'est beau d'être proclamé schismatique par ce Maritain. Au fond, quel pédant. Le fond de ce garçon, c'est la pédagogie. Bainville me disait, c'est qu'un grand professeur. » Et ces petites occurrences, dont « Merci des 3 positions de Maritain, ce n'est qu'un grand professeur. » Au fond, c'est le commencement du texte que vous avez entre les mains. Vous regardez les premières lignes et c'est vraiment la lecture du texte de Massy qui lance Maurras dans cette écriture de l'appendice. Le texte est en fait repris tout au long de l'été 1951 par Maurras, et en octobre 1951, le secrétaire de Maurras, Georges Calzan, écrit à Charles Maurras en lui disant « J'ai transmis à Henri Massy votre PIDIS, sauveur de la France, octobre 1951 ». Le Maurras va continuer en fait de retoucher quelques phrases par-ci par-là, et en tout cas, septembre 51, il écrit à Xavier Vallat, c'est la lettre que vous avez au-dessus, « J'ai conduit mon PIDIS à l'extrême pointe jusqu'où je peux me flatter de donner à mes paroles un sens perceptible pour moi. J'ai fini par me construire une espèce d'île flottante entre ciel et terre, comme la boîte de Gulliver où se tiennent des saints et des saintes de mon cru, Notre-Dame en tête, bien entendu, etc. etc. » Bon, l'image de l'île flottante est assez étrange, mais assez irréaliste pour décrire la pédagogie qui se voulait positiviste de Maurras. Mais enfin, on voit bien l'idée, il se construit sa bulle alors même qu'il est en prison. Le rôle de Massy, il faut donc le souligner à ce point, est particulièrement important. C'est lui qui sert de détonateur pour l'écriture de Maurras. C'est lui qui va transmettre le volume de Maurras à la librairie Plomb. Et on retrouve dans les archives de Maurras le compte-rendu du lecteur de la librairie Plomb avec un doute, je tiens à le signaler. Je ne sais pas si c'est Massy qui a écrit le compte-rendu de lecture, ou si c'est Massy qui a simplement transcrit un compte-rendu de lecture qu'un autre a rédigé. Mais donc, c'est dans les archives de Maurras, et en haut de ce papier, il y a simplement écrit par Henri Massy. Ce livre, explique le lecteur de Plomb, nous place et nous maintient sur les sommets. L'auteur s'y met avec une simplicité, une aisance souveraine. Le commerce des hautes idées lui a toujours été familier. On le retrouve passionné de grandeur intellectuelle, morale ou nationale. L'ouvrage est porté par une verve, un souffle étonnant, une puissance de dialectique, une rigueur de raisonnement, une langue drue et savoureuse comme au meilleur jour. Il faut avoir un profond respect pour une telle noblesse de pensée. On éprouve une forme de griserie à se sentir entraîné sur de si hauts lieux, une doctrine qui n'a jamais connu de compromission,
etc., etc. La critique s'achève, enfin la critique entre guillemets, donc la relecture s'achève. Maurras a gardé dents dures et griffes prêtes. Il ne fait pas bon d'être point de ses amis. Il ne se contente pas d'égratigner. Les vivacités polémiques sont très fortes. Il faudra sans doute en atténuer quelques-unes pour que le volume puisse rejoindre un public au-delà du cercle des lecteurs habituels de Maurras. Le volume est présenté à plomb à l'été, en fait, 52, et il est publié donc en janvier 1953. Alors, quand on regarde effectivement le contenu du volume, un grand nombre de personnes se font vraiment critiquer assez violemment. Bien sûr, Georges Bidault, Francis Cuguet, lui aussi nommé par De Gaulle ambassadeur à Ottawa, de la vie catholique, François de Menton, Marc Sangnier, Paul Claudel, qui a un bel uniforme d'ambassadeur, Léon Blum, Blondel, Bergson, Mounier, Béguin, c'est une litanie De Gaulle qui se fait traiter, je cite, de grande asperge habillée en général. Il faut ajouter, bien sûr, les Américains, les juges de 1945, etc., etc. Dans le volume, il y a aussi bien sûr quelques héros, les saints et les saintes de Maurras, c'est-à-dire les Billot, Floch, Pétain, Pidis, etc., et tous les pieux et militants fidèles de l'Action française de la première heure. Dans le volume lui-même, Maritain est, pour être franc, mentionné, mais relativement peu. Il y a quelques occurrences, j'en ai repéré deux, page 3 et page 145-146, mais Maritain est vraiment traité dans l'appendice que vous avez. Page 3, Maritain est simplement associé à la tribu des démocrates chrétiens, les Menton, Bidault et Gay. Et page 145-146, Maritain est comparé à un galet roulé par la vague, un galet de plage qui est tiré donc à U et à Dia par les idées des uns et des autres. Maritain donc revient un petit nombre de fois dans le volume, mais c'est bien sûr l'appendice qui lui est consacré qui donne tout son sens à mon intervention. Il s'agit donc des quatre dernières pages du volume, et c'est vraiment un texte capital à mon sens pour comprendre ce qui sépare les deux hommes dans la longue durée. Et pour Maurras, donc Jacques Maritain incarne la trahison de 1926 et le défaut de romanité. Maritain est un démocrate, Maritain est un fuyard, Maritain est payé par les États-Unis et par les voyous qui ont pillé la France en 1944, Maritain est un mauvais philosophe influencé par Bergson, qui a renoncé à Saint Thomas et à l'ordre romain. C'est un juif, l'heureux époux de la juive. Il y a évidemment des formules extrêmement fortes sous la plume de Maurras. C'est un huguenot par son mariage et par sa naissance. Maritain est un simoniaque. Maritain a détourné de l'argent. Il est payé par des voyous. Mais en même temps, il a capté un héritage. C'est toute la question de l'héritage de Pierre Villard qui a uni les deux hommes à partir de 1918. Et sur laquelle je reviendrai, parce que c'est probablement l'élément le plus dur pour Maritain à ce moment-là. C'est un simoniaque, Maritain n'en veut qu'à l'argent, et à propos de Rome, je donnerai simplement que trois passages de ce texte de Maurras. Maritain, au temps de l'Action française, écrit Maurras, mettait à profit la splendeur doctrinale des encycliques romaines. Un petit peu plus loin dans le texte, vous avez cette formule « hors de l'humain, loin du roman, dans la métaphysique judéo-protestante ». Et le dernier passage de ce texte, qui est reproduit sur le document que vous avez, mais qui ne passe pas dans le volume, concerne justement une histoire présentée par Tite-Live, où un professeur est corrigé par ses élèves et par un consul romain. Je vous montrerai dans quelques minutes un tableau. Dans les archives de Maurras, avant d'en arriver au tableau, dans les archives de Maurras, on trouve le brouillon de cet appendice. Concrètement, il y a des nuances, bien sûr, il y a des corrections, il y a un allègement, disons, d'un certain nombre de formules, mais on voit bien, par exemple, que la question américaine est très présente. Je cite le document à partir du troisième état, lui valut un beau costume d'ambassadeur, plus beau que celui de Claudel, plus beau que celui de Gay, et
et même que celui de Blum, et ensuite avec des fastueux revenant bien d'une vie d'émigré en Amérique. C'est le brouillon qu'on trouve aux archives nationales, qui ne passe pas exactement de la même façon dans l'appendice, où la référence à Léon Blum a été supprimée, la référence aux États-Unis a été également supprimée, mais donc, honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant de comparer les brouillons des originaux, enfin des versions éditées, mais c'est beaucoup de corrections, disons, le matériel stylistique. Sauf sur la fin du paragraphe, sur la fin du texte, avec le passage qui commence par « do ut dem » et ce passage-là donc, disparaît dans la version éditée. Et c'est cette scène qui est représentée, en fait, donc j'ai mis là simplement le tableau de Nicolas Poussin, Camille livre le maître d'école de Faléry à ses écoliers, donc ça renvoie à ce dernier paragraphe de Maurras. La question, bien sûr, qui se pose, c'est, on est là en 1953, j'ai dit en introduction qu'en fait, cette critique de Maurras agrégée 25 ans de distillation de critiques à l'égard de Maritain, et je voulais vous donner un peu de démonstration de cela. En 1935, dans l'Action française, Maurras qualifie Maritain de mercanti levantin, pardon, de ville-pleutre, quelques mois plus tard. En 1938, il parle du judaïsant Maritain marié à une juive. En 1943, il parle du philosophe d'anti-France. La même année, pour lui, Maritain est un rabâcheur effréné de tout ce que la juiverie, la métèquerie, la démocratie, l'anarchie, le communisme réunis ont bavé depuis 2 ans contre le chef légitime et légal de la France. Maritain est un protestant converti, il a épousé une juive, probablement une russe, qui paraît avoir beaucoup contribué à l'embarquer dans un mysticisme assez trouble. Maritain, esprit fumeux mais tranchant, poursuit Maurras, Maritain, misérable français déchu, transfuge et parjure, mari d'une juive, devenu le type, je cite, d'une vague poubelle de juifs et d'apatrides cosmopolites. Donc, on est là finalement avec ce texte de Maurras dans la réitération, l'achèvement de cette détestation maurrassienne à l'égard de Maritain. Naturellement, l'ouvrage va créer un certain nombre de polémiques. Je voudrais passer assez vite sur cet aspect-là. Vous imaginez bien, la presse maurrassienne va applaudir le texte, la presse un peu plus mesurée sera particulièrement critique. Et je vais simplement vous montrer quelques éléments de cette réception. Vous avez là un article de Madiran dans Rivarol, le dernier ouvrage de Charles Maurras, Le bienheureux Pilly sauveur de la France, un testament politique, un long article en fait qui prend toute une page. Madiran est un des derniers secrétaires de Maurras, et c'est six colonnes louangeuses, sauf sur quelques points. J'ai pas le temps de développer. Il y a notamment la question de l'intégrisme qui sépare Madiran et Maurras, et donc il y a des reproches entre les deux hommes. Sur le fond, Madiran explique que Maurras n'a pas lu les derniers volumes de la pensée catholique, la publication intégriste, et que s'il l'avait lu, bien sûr, il aurait su que Pidis, en fait, soutenait Benigni et la Sapinière. Donc, c'est des choses qui sont quand même importantes, parce que ça témoigne de cette appropriation par l'intégrisme du début des années 50 de la figure de Pidis et de cette volonté de trouver des points de convergence entre intégrisme et maurrassisme. Du côté critique, le Fer de Lance et le journal La Croix, qui va publier en première page un article de Mgr Fontenelle, un ami de Maritain, intitulé « Une imposture ». On est là le 31 mars 1953, première page, l'article se prolonge à l'intérieur. La Croix est très vite soutenue par Le Monde, par la Semaine religieuse de Paris, par l'Osservatore Romano, et pour Mgr Fontenelle, qui est vraiment un ami de Maritain de longue date, qui est présent à Rome et qui est à l'ambassade, qui est également le correspondant de la Croix à Rome, l'ouvrage est une imposture, c'est une offense à la mémoire des trois papes que Maurras s'attachait à décrire. Le volume de Maurras a, selon Mgr Fontenelle, l'ingéniosité d'un roman policier. Il a une dialectique charmeuse, mais on ne peut bafouer plus effrontément l'autorité pontificale. C'est une triple erreur qui est commise par Maurras sur Pidis,
qui n'était pas politicien au sens de l'Action française, sur Pionze, qui n'a pas été abusé par des faux numéros de l'Action française, puisque c'est la thèse de Maurras, la thèse de Maurras dans son volume, c'est de continuer de dire que Pionze a été abusé et que un certain nombre de fonctionnaires de la Curie ont produit des faux numéros de l'Action française pour le convaincre de la nécessité de la condamnation. Et en même temps, Maurras rapporte des propos que Pidis aurait tenu à sa mère, que sa mère aurait tenu à ses amis. Honnêtement, c'est plus que l'ingéniosité d'un roman policier, mais je passe. Et offense contre Pidis également, dont la miséricorde a été abusée. S'ensuit un certain nombre de débats assez vifs, évidemment avec les milieux d'Action française, publication dans la presse d'un certain nombre de correspondances. L'Osservatore Romano intervient en avril 1953 sur la ligne, en fait, de Mgr Fontenelle. Le volume jette, je cite, le discrédit sur le siège apostolique et rabaisse le magistère de l'Église au niveau d'une basse intrigue de café. Ces pages, poursuit l'Osservatore Romano, sont en effet la preuve la plus évidente des erreurs de Maurras et de l'Action française. Alors, je passe un petit peu sur toute cette controverse médiatique. J'en viens maintenant à la position de Maritain lui-même. La controverse, en fait, va s'éteindre à l'été 1953. Maritain est aux États-Unis et il va commencer à être informé de cette controverse, en fait, qu'à la fin de l'été 1953. Concrètement, ce n'est pas Mgr Fontenelle qui lui écrit, c'est Mgr André Baron, qui à ce moment-là est à Rome, recteur de Saint-Louis des Français, autre ami de Maritain. C'est par une lettre du 12 août 1953 que Mgr Baron évoque l'attaque de Maurras. Je cite la lettre de Mgr André Baron. « Rome continue de nous regarder avec inquiétude. Nous, il s'agit des théologiens français. Une pensée vigoureuse et supérieure qui forcerait le respect n'arrive pas à se faire jour. Alors on est livré aux médiocres. Les médiocres ont d'arrière-pensée politique. Vous avez eu des échos, certainement, de la lamentable glorification de Maurras. Le pauvre Mgr Fontenelle a été traîné dans la boue. Nous avons beaucoup souffert de tant de mensonges. On va arriver à ce paradoxe que la canonisation de Pidis équivaudra à la réhabilitation de l'Action française. Le livre posthume de Maurras qui a été dénoncé par l'Osservatore Romano et par la Semaine religieuse de Paris comme injurieux à l'égard des trois derniers papes, n'a pas fait bouger le Saint-Office. Et on ne peut rien auprès de Pidis, qui désapprouve tout cela, mais qui est accablé par la charge de toutes les églises. » Fin de citation. Jacques va répondre au début du mois de septembre 1953 qu'en fait il ne sait absolument rien et que son souci principal est de protéger Raïssa de ses calomnies. Je ne voudrais pas que Raïssa ait connaissance de ces choses. Si vous pouvez me faire envoyer le livre, il faudrait l'envoyer à ma secrétaire, à Princeton, directement, de sorte que Raïssa ne soit pas informée. Un mois plus tard, Jacques Maritain, dans une lettre du début du mois d'octobre 53, n'a toujours pas reçu le livre. Il écrit à nouveau à Mgr Baron, « Dans ma précédente lettre, je vous disais que je voudrais bien lire le livre de Maurras, dont vous me parliez. » Mais je voudrais le recevoir à l'insu de Raïssa, qui souffre trop de toutes ces calomnies. Fin octobre 1953, donc encore un mois plus tard, Maritain n'a toujours pas reçu le volume, et ce n'est probablement en fait qu'à la fin du mois de novembre 1953 qu'il en a connaissance. L'enjeu, c'est pour ça que j'ai cité les lettres de Jacques, son enjeu premier, c'est protéger Raïssa. Et même dans son carnet, il n'en garde pas trace. C'est-à-dire qu'au moment où je présume qu'il reçoit le volume, il y a 10 lignes de son carnet personnel qui sont noircies, qui sont caviardées, de la sorte qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, 8 lignes sont noircies le 18 novembre, 4 paragraphes sont noircis le 20 novembre, le nouveau caviardage le 26 novembre et le 29 novembre, en tout c'est plus d'une page et demie, et on en trouve dans le carnet personnel de Jacques une trace de cette affaire, qu'au mois de mars 1954, c'est-à-dire 4 mois plus tard, et il écrit à ce moment-là, « Faudra-t-il renoncer encore à aller en France? Cela déferait beaucoup de choses que je désire beaucoup et que je crois nécessaires, notamment règlement de compte avec Plomb et les amis et la collection,
mais il faut accepter d'être fini, que Saint Joseph ait pitié de nous et nous éclaire. C'est une dizaine de jours plus tard que Maritain va avoir sa crise cardiaque et il s'ensuit quelques semaines, quelques mois même de repos forcé qui le contraignent à annuler son projet de voyage en France pour l'été 1954. La première lettre qu'il écrit une fois qu'il est rétabli est destinée à Henri Massy. Vendredi 24 juin 1954, le docteur qui le visite dit que je dois me reposer, mais que je vais très bien, je dois supprimer le café, je dis ça pour mon voisin, et lettre à Massy, chez Plon, et à nouveau 6 lignes caviardées, si un seul ami avait tout de suite réagi, et à nouveau 4 lignes qui sont noircies. Impossible finalement d'aller au-delà de ce mois de novembre 53, juin 54. La question reprend un petit peu plus tard en fait dans le journal et dans les travaux de Jacques à partir de 1955 et 1960. Maritain va garder une dent extrêmement dure à l'égard de Massy et à l'égard bien sûr de Maurras et de la Maison de Plon, et on retrouve en fait. Je vous fais la version brève de cette histoire, mais en 1955, Maritain va littéralement convoquer le directeur général de Plon pour s'entretenir avec lui, Monsieur Maurice Bourdel, et Maurice Bourdel va expliquer que sa bonne foi a été surprise et que ça a été édité comme ça, qu'il n'avait pas vu passer le manuscrit. Et en 1960, cette fois, Maritain convoque, après la mort de Raïssa, il convoque Henri Massy, et c'est le dernier entretien entre les deux hommes. On est là à peu près au 18 novembre 1960. Concrètement, l'entretien est extrêmement tendu. Le Massy explique qu'il y est pour rien, qu'il n'a pas lu le texte, qu'il a simplement passé à Plon, que de toute façon, chez Plon, ça se passe comme ça et qu'il n'y a pas vraiment de responsable, c'est l'édition, etc., etc. Henri Massy part en pleurant et il espère, Jacques, Massy a bien compris qu'il n'était pas question de se réconcilier avec lui pour l'instant, et en tout cas, on a un compte-rendu de l'entretien où il est noté « On ne peut s'empêcher de tenir pour très invraisemblable que Massy, qui reconnaît avoir servi d'intermédiaire entre Maurras et Plon, n'ait pas pris connaissance personnellement du livre. » Je conclue. Et en conclusion, je voudrais seulement dire que sur le plan doctrinal, sur le plan de l'histoire, si vous voulez, du contenu et de la réception de ce document, il m'est difficile de tirer les conclusions ultimes tant que précisément le dossier du Saint-Office n'a pas été retrouvé. Or, pour moi, c'était bien sûr là le point le plus important, puisque comme le présentait Henri-Irénée Maroux dans la revue Esprit au mois de décembre 1951, la béatification de Pie X ne devrait pas, je cite Maroux, ouvrir la voie à une apologie de l'intégrisme, ni à une seconde réhabilitation de l'action française, plus pleine, si je puis dire, que la première de 1939, puisqu'elle équivaudrait en quelque sorte à une absolution sans pénitence. Pour Maritain, sur le plan de l'écriture, le principal apport, si je puis dire, de cette affaire Maurras de 1953 est la préparation du chapitre relatif à Pierre Villard, ce jeune étudiant mort en 1918 qui avait fait de Maurras et Maritain ses héritiers. Maritain a rédigé ce texte en septembre 1954, c'est publié dans le carnet de notes en 1965. Maritain y retrace l'itinéraire humain, intellectuel, spirituel, religieux de Pierre Villard, qui meurt sur le front, réconcilié avec lui-même et avec Dieu, avec l'Église. Pour Maritain, c'est là un point important parce que c'est la réfutation au texte de Maurras que vous avez entre les mains. Pour Maritain, il a fallu surtout dans un premier temps protéger Raïssa, qui n'a jamais rien su de cette affaire. Il a fallu ensuite régler ses comptes avec Massy et peu à peu, selon sa formule, renoncer à la vengeance de l'honneur pour tout remettre dans les mains de Dieu, ce qui fut vraiment pour lui le fruit d'un combat intérieur assez vif. Le Maritain était, on le sait, vigoureux parfois dans ses colères. Je cite Maritain, « L'injustice et l'ignoble offense faite à celle que j'aime et que Dieu m'a confiée n'ont pas fini de me brûler.
À l'âge où j'écris ces lignes, 77 ans et demi, en avril 1960, l'envie de venger notre honneur m'a enfin quitté. Et c'est pas tout à fait vrai, en fait, hein. Ce n'est qu'en novembre que ça va le quitter. L'envie de venger notre honneur m'a enfin quitté et j'abandonne tout entre les mains du souverain juge. Du côté Maurras, on observe plutôt, en fait, la constante de l'irrévérence, si je puis dire, de l'outrance, de l'antisémitisme, depuis la rupture de 1926 et par-delà la pénitence forcée de 1939, c'est au fond la même ligne sans discontinuité contre Maritain et contre Pie XI, le pape trompé. Pour les décennies qui suivent, Maritain va demeurer une cible des catholiques nationalistes, intégristes, intégralistes et en tout cas des catholiques d'extrême droite. Il y a une culture anti-maritainienne très ancrée dans cette famille des droites catholiques françaises et même mondiales. On disait tout à l'heure, au fond, la grande attaque de 1956, est-ce qu'elle part d'Amérique du Sud, est-ce qu'elle part d'Espagne? Peut-être il faut revenir à l'action française et considérer cela comme une circulation dans la moyenne durée. Sur le fond, les reproches sont toujours les mêmes, antidémocratisme, antisémitisme, anti-américanisme également, hostilité aux droits de l'homme, etc. Pour le Saint-Siège, et plus précisément du côté du Saint-Office, il semble difficile de ne pas considérer la publication du volume de Maurras en 1953 comme le signe et le révélateur d'un désaveu, voire même peut-être d'une erreur d'analyse au moment de la levée des sanctions en 1939. Le père Garrigou-Lagrange, au printemps 1939, avait argumenté en faveur de la levée des sanctions contre l'action française, plaidant, je cite, le rapprochement de l'action française en direction de l'Église, ainsi que la défense de la bonne droite, celle de l'ordre et de la justice, comme l'action française, contre les fausses droites, les fascistes et les nazis, attachés à une fausse idée de l'ordre. Comment le qualificateur du Saint-Office reçoit-il en 1953 l'ouvrage de Maurras, expliquant que Pie X avait béni l'action française, que Pie XI avait été trompé, que les miséricordes paternelles de Pie XII étaient au fond sans objet, puisque l'action française avait toujours eu raison? On n'a pas la réponse. Comment le Saint-Office analyse-t-il, au seuil des années 1950, la résurgence d'une action française impénitente dans le contexte de ce renouveau de l'intégrisme et de la canonisation de Pie X? Là aussi, la réponse est difficile. Peut-être trouve-t-on cependant un commencement de solution dans une note du Saint-Office en novembre 1952 au sujet de la revue La Pensée catholique, qui venait de publier un article présentant Pie X, défenseur de la Sapinière, ce que le Saint-Office qualifiait, je cite, de gaffe sur le terrain pratique. Particulièrement, poursuivait la note, particulièrement depuis la béatification de Pie X, précisait donc cette note, on ressasse tous les événements douloureux de l'action française, de Mgr Benigni, etc. Maintenant, sans même le vouloir, on oppose Pie X, Benoît XV, Pie X et Pie XI, etc. Cela produit, poursuit la note, une plus grande désorientation. Il convient donc de taire ces questions ou d'en parler avec la plus grande prudence, ce qui explique en fait les silences que regrettaient les amis de Maritain en 1953. Quoi qu'il en soit, Rome ne se réduit pas au Saint-Office, et l'on sent bien avec Mgr Baron et Mgr Fontenelle, avec l'Osservatore Romano également, que Maritain n'était pas non plus son soutien efficace dans la ville de Rome. Je vous remercie de votre attention. Alors, les questions sont... Tu as fait un petit livre sur l'affaire Gibson en 51, évidemment. Et tout un épisode de macartisme farouche. Donc l'autre maître atomiste avait été traîné dans la boue pour sa soi-disant fuite aux USA. Et dans la semaine de la France à l'époque, je me rappelle, il y a des articles, le fuyard Maritain et le fuyard Gibson. Et donc... cet épisode-là, c'est certes le racisme, etc., mais est-ce qu'il n'y a pas également des éléments contextuels du macartisme en 52-53 qui jouent, qui interfèrent avec tout ça? Peut-être. Alors, si, Michel, tu as raison, bien sûr, les procédés sont les mêmes, en fait,
se saisir d'une personne, la traîner dans la boue, ça tourne dans la presse, donc sur le plan, disons, de l'attaque personnelle, de l'attaque ad hominem, on en est au même point. Évidemment, les enjeux entre l'affaire Gilson et le macartisme, qui aux États-Unis dénonçait les fonctionnaires communistes du moment Truman, évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir. Le reproche principal qui est fait à Maritain et à Gilson, c'est de n'être pas resté sur le territoire national. Et en fait, sauf que quand on revient sur le détail de la chronologie, la thèse de Maritain en fuite aux États-Unis, c'est vraiment une thèse action française, typiquement. Parce que Maritain ne fuit pas aux États-Unis. Il est aux États-Unis en 1940. Il part. Et pour Gilson, Gilson a raison de rappeler que si c'est un fuyard, ça fait 25 ans qu'il fuit tous les ans, 6 mois par an, pour aller donner ses cours à Toronto et qu'invariablement il rentre au bout de 6 mois pour donner ses cours au Collège de France. Donc, ce que ne supportent pas, en fait, ces milieux d'action française, aspect de la France, effectivement, c'est le lien de ces intellectuels thomistes français avec l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. C'est, au fond, l'intégration du monde anglo-saxon dans cette géographie catholique. C'est l'intégration des enjeux démocratiques et révolutionnaires, en fait, de ce milieu-là. Au-delà de la question de la fuite, il y a des caricatures de Gilson, on les décrit comme un lapin, comme un lièvre apeuré qui fuit au galop outre-Atlantique. Enfin, c'est vraiment, c'est assez dur. Mais Maritain résistera mieux que Gilson. Gilson a fait une dépression, mais Maritain résiste un peu mieux. Voilà. Quand même, Oui. On ne peut pas tout faire. C'est vrai. Des questions Moi, j'avais une question sur la texte de la loi de Salvatore Romano. Est-ce que vous positionnez uniquement sur l'argument de défense de l'art ou est-ce que il y a une défense aussi d'un point ? Non. Alors, concrètement, non. Le Maritain n'apparaît pas dans la controverse publique. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est qu'une annexe du volume, et tous les journaux catholiques défendent avant tout l'honneur des papes, et même pas les démocrates chrétiens. C'est pas leur sujet. Le Monseigneur Fontenelle a publié un volume, une biographie de Pie XI. Donc, il est quand même très informé de toutes ces questions-là, et les reproches sont au fond toujours les mêmes. L'espèce d'habileté maurassienne à raconter son histoire, mais sur des fondements qui sont inacceptables sur le plan positif, des preuves historiques, en fait. Voilà. Serge Thomas. Est-ce que dans le livre de Maurras, bien au repli 10, il y a un jugement sur le thomisme apocryphe de Maritain? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il justifie le fait que Maritain est considéré comme grand représentant de la tradition thomiste? Est-ce qu'il invoque d'autres thomistes qui auraient réfuté la position de Maritain? Absolument. Est-ce qu'il juge que le thomisme de Bibis a été trahi par Maritain? Quelle est la position sur le plan doctrinal, pour Maurras, Maritain n'était pas un juste thomiste. Il a incarné un temps l'espérance d'un thomisme romain et il en a été la fine fleur, mais relativement provisoire, parce que la position de Maritain était viciée à la base par son bergsonisme qui n'a jamais en fait véritablement dépassé. Et donc ça renvoie évidemment, ce qui est un peu évidemment vachard de la part de Maurras, puisque Maritain a commencé à lire saint Thomas, notamment pour préparer son volume de la philosophie bergsonienne, enfin la série d'articles qui passent et qui deviendront la philosophie bergsonienne. Maurras, c'est dans l'appendice numéro 6,
explique ainsi, c'est une deuxième réponse en quelque sorte à votre question, il orienta vers la somme de saint Thomas d'Aquin un grand nombre de pensées mouvantes. La Sorbonne elle-même soulevait le rideau qu'elle avait fait tomber à grands pans sur l'effort des pionniers du néotomisme, les Gardère, les Domet de Vorges, les Pia. Alors honnêtement, je ne sais pas si vous les connaissez, mais moi, j'ai jamais lu une ligne de ces thomistes-là. Et de ce thomisme triomphant, il semblait que Maritain fût devenu l'oracle. Il était donné couramment pour le théologien de cette heure d'histoire religieuse, s'il est des heures pour une doctrine qui ne doit pas varier. Et donc c'est vraiment un thomisme d'école d'action française, Gardère, Domet, Pia, et il a raison. Paul. Pia n'était pas action française du tout. Mais par contre, c'est en effet les tout premiers pas du thomisme d'avant 14 qui n'a rien donné. Gardère, il a fini marchand d'huile, si je me rappelle bien. Et alors, après, effectivement, la grande figure qu'évoque Maurras, c'est celle du cardinal, enfin, ou ex-cardinal Biot, et du père Le Floch, donc le recteur du séminaire français de Rome. Au-delà, il n'y a pas grand-chose. Je pense quand même, cette annexe-là, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'un truc pareil ait pu être publié en 1950. C'est une pauvreté, une indigence, c'est son temps de renvoyer outre l'antisémitisme, l'émerpèterie alimentaire, et puis il le renvoie vers la case de l'oncle Tom. Hein, bon, voilà, même plus la tour à tulle, plus sur six pages, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la place que ça prend. Dans les années 50, qu'on puisse encore publier des trucs pareils, que ça puisse être accueilli, qu'il puisse y avoir des théologiens qui soient derrière, des revues catholiques qui soutiennent tout ça, Gabriel Marcel, pas très loin, qui fait Lévis, il a raison, etc. Et le télescopage des temps, puisque 10 ans après, on est à la clôture du concile. Quoi, voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant. Par rapport à Maritain, je trouve que l'histoire n'a pas beaucoup d'intérêt. Sinon, ça a été douloureux pour lui, puis ça portait sur la maison de plomb. Mais par contre, dans le télescopage des temps, dans la culture catholique passée de Maurras à la fin du concile, en moins de 10 ans, on comprend qu'après, tout le monde a été défrisé. Y a un choc culturel qui est évident voilà, dans tout ça. Voilà. D'autres questions? C'est là, dans le prolongement de mes interventions d'avant, que cette phrase, c'est la pauvreté, c'est le commérage de la méchanceté d'antisémitisme. Est-ce que la phrase est une lecture réelle de Maurras, de Maritain, après le début spirituel, ou est-ce qu'en fait, on se contente juste d'accumuler des commentaires sur des péripéties, sur des éléments biographiques, sans travail? Ah, mais tu peux le dire, Maurras ne lit pas Maritain. Non, Maurras n'a jamais lu probablement 10 lignes consécutives de Maritain. Ça me paraît à peu près évident. Hein, c'est-à-dire que Maritain n'a jamais écrit dans l'Action française. Maritain a publié quelques articles dans la Revue universelle qui avait été cofondée par Charles Maurras, Henri Massy et Maritain. L'objectif était précisément de faire de la Revue universelle un organe philosophique, catholique, enfin, ou disons un journal catholique où la philosophie de saint Thomas, de Maritain, pouvait se déployer. Maurras raconte dans un article de l'Action française sa première rencontre avec Maritain. On est là au milieu des années 1905 et 1910, dit Maurras, il se souvient plus très bien de la date, mais Maurras est toujours dans la polémique. Hein. Il n'a pas 3 heures devant lui pour lire un ouvrage de philosophie, en vérité. Donc c'est tout ce qui converge vers son bureau, c'est les propos des uns des autres, et on le voit bien, sa mémoire est constamment corrigée par ses relecteurs. Par exemple, dans le brouillon de l'appendice, Maurras, dans le texte initial, confond le père Janvier avec le père Clérissac. C'est pas tout à fait non plus la même école. Concrètement, sur la question de l'héritage, Maurras se fait aussi reprendre par probablement Massy, qui dit non, ça s'est pas exactement passé comme ça. En fait, non, Maurras travaille de mémoire, en fait, et travaille à partir des raccourcis médiatiques et de ce qui circule dans son bureau, quoi. Je suis peut-être un peu dur, mais on n'a pas dans les archives de Maurras
la moindre note de lecture d'un ouvrage sérieux de Maritain. Non. En fait, tout ça se transmet par Madiran plutôt. Non. Bon, Bourrasque. Non. Voilà. Mais le Thomis d'Action française, celui qui a le recueil, c'est Madiran qui a changé trois ou quatre fois de nom. À l'époque, c'est ici Lagorre, Jean-Jean-Louis, il fait des essais. Donc, la critique de Maritain, bon, c'est assez sommaire aussi, mais on la retrouvera après dans toutes les publications de Madiran, l'itinéraire, dans la pensée catholique aussi, mais bon, Madiran, c'était encore plus prononcé. Donc, si on veut suivre 50 ans d'antimaritainisme et les différents épisodes, il faut lire la collection d'itinéraire, tant qu'elle a existé, je ne sais pas si ça existe encore, enfin, il y a sûrement quelque chose qui prolonge, mais Et donc, Madiran était, d'une certaine manière, thomiste. Il apporte, disons, finalement, l'histoire du compagnonnage de Maurras et de Maritain, ça a un sens historique. Ça a un sens historique, c'est que ça a produit un intégrisme catholique. Voilà. Malgré l'un et l'autre, finalement, mais leur détestation mutuelle, et les regrets de Maritain d'avoir eu un compagnonnage avant 26, mais s'il n'y aurait sans doute pas eu un thomisme intégriste par la suite, s'il n'y avait pas eu, malgré tout, ce moment, ces 5-6 ans où Maritain participe à la revue universelle. Voilà. Donc, historiquement, ça a du sens, a posteriori, en produisant cet intégrisme qui, bon, je suis historien et je ne veux pas m'engager trop là-dedans, mais qui encombre un peu même l'histoire de l'Église de France. Le mot encombré est un peu subjectif, je reconnais, mais voilà. C'est bon. Alors, on va peut-être prendre 3 minutes de temps de changer l'équipe, puisque Philippe, maintenant, va faire les conclusions. Et voilà. Attends, c'est bien.